On va vendre où ? Voilà qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Profite, il y a un peu rouge. Nous avons une tribu à côté. Et là, ils ont fait ça, comme ça. En fait, ils ont dégoudronné. Pour regoudronner. Et il y a le mec qui a fait la peinture. Voilà. Ça me vient quand même à l'arrêt Riquet. Je suis même pas bourré et puis je suis complètement pas fou. The Voice Kids, ça m'a carrément gonflé. Bon, aujourd'hui ils ont râpé tout ça pour refaire ça, pour faire ça. Tu vois le truc, ça c'est encore la peinture là. J'ai oublié quand même. Pas pour dire, mais il faut le dire, comme il y a des télé éternels partout. Celui-là, il faut le peindre, et il y en a l'autre, il faut le repeindre. Quand il passe la lance, ça marche pas. Il y a celui-là, un télé éternel. J'ai dû me tromper, télé. Il manque un E. Bon, c'est pas grave. Je le peindrai quand même. Et genre les mecs ils bossent, putain, c'est tout cher en heure de nuit et tout. Tous ces emplois fictifs, et vous comprenez pas. Vous. Puis les mecs ils sont contents d'être fictifs. On te paye pour fermer ta gueule. Ça que ça veut dire. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Laisser sécher la peinture. Travaux. Travelot. Pas tout à fait. Là, ils ont tout refait ça aujourd'hui, alors que c'était déjà fait. Ça me fait penser à quand j'habitais à Bon Voyage. Je sais pas. Ils ont gratté tout le goudron. Ils ont remis du goudron. Le lendemain, le mec, il a repeint les lignes blanches. Ça. Mais ils l'ont fait trois fois, le même goudron, pour rien faire là, ils n'ont pas changé un câble, ils n'ont rien fait. Ils ont changé du goudron, tu sais pas pourquoi ça fait. Hein. En plus on est presque à la lune ou juste à la fin, ou presque. Comme ça là. Ça sert à quoi leur truc de merde? Là, nous avons un autre télé éternel. La ville de Nice présente, toujours René Impérial. Qu'est-ce qu'on a à foutre? L'humanité est basée sur la barbarie. C'est de la merde. Alors là, ils font le blanc. Mais celui-là, le télé éternel, il a bien marché. C'est que la caméra qui déconne. Sur le télé éternel, il a bien marché. Bon, ils vont peindre des trucs, ils vont machiner des bidules, mettre des cadres, des machins. C'est pour quoi faire ? Et pourquoi ils ont regoudronné ? Dépasser toutes les machines aujourd'hui. En fait, c'était nickel, il y avait juste à peindre. Bon, bon il peigne. Hein. Que je te dis. Donc, ils ont raboté tout ça, il y avait deux camions, il y avait, je sais pas, il y avait tout. Ah, ils veulent faire une piste cyclable. C'est le panneau pour faire des pistes cyclables. Si tout ça, c'est pas des machins fictifs, quoi. Ouais, ils bossent, les mecs. Ouais, ils bossent. Qu'est-ce qu'il se fait faire, ton fils? Je crois qu'il y a des élections. Bah, rien. Bon, bah, on va le mettre à la mairie ou à la ville. Tout ça. Comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il y a trop l'emploi fictif.
ça que c'est la merde. Et en fait, une fois qu'ils sont dedans, ils ont plus besoin de penser. Tu vois? Comment c'était l'autre? Chiparde, Mélanie Chiparde, ou je sais pas quoi. Née pour glander. Moi, j'ai fait des TIG pour escroquerie. Hein. Je te raconte si tu veux. Quand t'as les mecs de la ville qui disent, bon, si le chef il vient, tu diras que tu changes une ampoule. J'ai toujours trois bons ou quatre bons. Enfin, c'est compliqué, l'administration. La grosse merde, en fait. Ça, maintenant, je me fais administrer tant qu'à faire. Dès que j'ai un papier qui me fait chier, vas-y, je le donne à la bonne femme de l'UDAF. Comme ça, je suis pas emmerdé. Comme ça, c'est pas de ma faute s'il y a un problème. Sinon, ça va, c'est impeccable. Je racontais ma connerie. J'ai vu mes têtes éternelles. J'en ai un autre là-bas. C'est bien, parce qu'il y en a, ils se garent. Putain, les lampadaires les plus chers du monde. Il se gare, mais là aussi j'ai un tel éternel. Il va falloir remettre les peintures à jour. Tu vois? Tu vois pas? Peut-être qu'il s'appuie, tu vois. Bon, là aussi j'ai un téléthermal. Moi, tout tira bien dans mon espace-temps. C'est normal, j'ai pas vendu mon âme au diable. Je l'ai rendu au bon Dieu, j'y tiens, reprends tout. Et qu'on me foute la paix sur terre. Le pognon, j'en ai rien à foutre. J'ai pas besoin de gel à poufiasse, j'ai pas besoin de trucs qui brillent. J'ai pas besoin d'avoir des liasses, mais bien sûr que j'aimerais avoir un petit peu de pognon pour le TPU. Trésor public universel, ça fait quand même depuis 2008 que je l'écris. Bon, sur internet, ils m'ont pas mal niqué, ils m'ont enlevé plein de pages. C'est pas grave. J'en vois comme ça vient parce que. C'est quoi? Parce que j'ai mon aérobase. Tu comprends? Envoyé spatial pour t'éternel. Pache salut et inchalamen. Et tout ira bien. Après. Quand même à la télé. La cabale au fond du jardin. Le sionisme, je me demande, c'est comme les francs-maçons et les Illuminati et tout ça. T'sais. Je crois que c'est une grosse enculerie. Un peu comme les orthodoxes aussi. Enfin, je sais pas, je vous demande votre avis. Voilà, poète.